Elisabeth! Comment ça va? Bien, toi? Oh, merci! Ça va bien. Écoute, aujourd'hui, on s'invite chez toi pour fouiller dans la garde-robe. Oui, parfait. Bien, rentrez. On te suit. Fait que dans le fond, on se dirige vers ma chambre, accueillie d'une larve dans mon lit. Elisabeth, on va commencer avec l'item le plus précieux qu'on t'a offert. Plus précieux qu'on m'a offert. Dans le fond, c'est vraiment pas un vêtement ou accessoire parce que personne m'offre de vêtements et accessoires sachant que je suis vraiment difficile. Fait que je dirais que c'est du chocolat. Je l'ai encore gardé, là. C'est vraiment dans mes débuts avec Brian, début. Il a genre tout étendu ça sur mon lit au complet pendant que j'étais en voyage pour que quand je revienne puis que lui était parti au travail parce que lui, il travaille au Nunavut. En tout cas, puis il m'a écrit une petite lettre. Fait que là, j'étais genre, oh, c'est tellement cute. Fait que je l'ai gardé. Puis c'est pas que je l'ai gardé. Ah oui? Cute! Secret! Faut pas qu'il regarde la vidéo. Ah, c'est ça! Est-ce que tu partages les vêtements avec tes BFF? Ben vraiment, en fait, moi, mon garde-robe, c'est pas mon garde-robe. Moi, c'est le garde-robe de moi et ma larve. C'est comme, on part en voyage. Non, mais legit, on part en voyage, puis on a une valise. Puis comme, tu sais, c'est pas genre, ah, ça, c'est ta partie de la valise, ça, c'est la mienne. C'est genre, tout ensemble. On a le même shampoing. C'est pratique, on... Non, non, c'est vraiment pratique, c'est vraiment Est-ce que tu peux nous montrer, genre, une pièce? C'est ça, j'ai sorti une pièce qui représente vraiment plus Milay, et c'est des chats. Oh. Parce que Milay, c'est une fille de chats. Mais attends, on va voir ta paire de jeans préf. Paire de jeans préf, moi, il y a vraiment aucune paire de jeans qui me fait bien, puis j'en mets juste jamais. Cette paire de jeans-là, je l'aime bien parce que j'aime les trucs plus provocateurs qui dérangent les gens. Puis moi, de voir du monde qui sont vraiment dérangés par ma paire de jeans, je trouve ça tellement drôle. Fait que comme je mets une photo avec ça sur Instagram, puis je me entertain des commentaires, je suis genre ouf. Fait que j'aime bien ça. Elle vient d'où la paire de jeans? C'est du éditorial, je pense, mais je les ai coupés moi-même avec mon talent de couturière. C'est ça. Quel item que tu possèdes en plus grande quantité? En plus grande quantité, ben en général, c'est des t-shirts parce que je porte juste des t-shirts dans la vie, comme je l'ai dit. Des t-shirts ou des hoodies, c'est tout. Mais tu sais, mettons que je voulais en sortir un, ben j'ai décidé de sortir celui-là parce que c'est de la collection Apony, qui est un artiste de Montréal avec qui je travaille en ce moment sur la prochaine collection de Waka. Fait comme, c'est pour ça que là, je me suis dit, ok, je vais sortir celui-là, il est bien trop nice. Puis en plus, c'est comme. Tu sais, on comprend. Oui. Fait que c'est ça. Sans nous révéler le prix, la pièce de vêtement la plus chère que tu possèdes ou l'accessoire? Ben moi, c'est vraiment con, mais la pièce que, la plus chère que je possède, je l'ai perdue une semaine après l'avoir achetée. Fait que au moment où je l'ai achetée, j'ai essayé de me convaincre ben gros dans ma tête que j'en avais absolument besoin puis que genre c'était vraiment un besoin. Legit, c'est comme, c'est une sacoche, puis je me disais, ah oui, mais tu sais, c'est un sac à dos, ça va, il est assez gros pour emmener une caméra de vlog, ça va me permettre de faire des vlogs, c'est juste un investissement comme ça, je vais emmener ma caméra de vlog partout puis je vais le faire. Premièrement, maintenant j'ai un sac à dos, je le fais pas plus, j'emmène pas plus ma caméra de vlog partout. Puis en plus de ça, ben une semaine après avoir acheté ce sac qui m'a coûté cher puis que j'ai essayé de me convaincre que j'en avais besoin, je l'ai perdu. Puis ça m'a pris genre un mois à me rendre compte que je l'avais perdu. Tu sais, je m'en souvenais plus. Fait que là, je me suis dit, ok, j'ai vraiment pas besoin de sacoche à ce coup-là. Fait que là, depuis ce temps-là, j'en achète. Non, c'est ça. C'est ça. Bonne leçon. Ouais, c'est ça. C'est une bonne leçon. Et l'article est moins cher? Le moins cher, dans le fond, pas mal toute ma garde-robe vaut pas très cher. Là, en vêtements, tu sais, en accessoires, mettons sac à main, c'est ça, je vais payer le plus cher. Mais tu sais, mettons tout ce qui est souliers, je porte les mêmes Converse, ça fait 2 ans. Puis mon linge dans mon garde-robe vaut pas vraiment cher. Mais sinon, je pourrais dire, mettons, j'achète beaucoup de t-shirts vintage avec Milay. On aime vraiment ça. Fait que tu sais, ça coûte 2$. Puis. Ça fait très bien. Là. Je veux dire, moi, je porte ça en robe, en chandail, en ci, en ça. Fait que ça se met tout le temps partout. Fait que, mettons, moi, je dirais tout ce qui est acheté dans une friperie. Fait que ça, c'est genre une presse. Finalement, quelle est ta pièce la plus gênante que tu possèdes? Moi, mes pièces les plus gênantes, c'est mes préférées. Honnêtement, c'est la seule question qu'on m'a posée ici que ça m'a pris 2 secondes de trouver les pièces de vêtements. J'adore les vêtements gênants, là, genre les chandails de Noël, les trucs quand même. Fait que je dirais, là, c'est 2 pyjamas que j'ai reçus de mes parents. J'ai ce chandail-là que j'adore beaucoup, c'est un lama. Puis j'aime beaucoup les effets 3D aussi sur les vêtements. Il est full doux en plus. Puis ça aussi, c'est full doux, c'est full confo. Il y a des oreilles de lapin puis tout. Puis là, il est rendu noir parce que je l'ai mis dans la laveuse avec... du noir, tu sais, je suis pas très bonne pour ce genre de choses. Je suis pas wifey material, là. Fait que c'est ça. Fait que j'aime bien ces shorts-là. Elisabeth, il est maintenant l'heure de te lancer 3 défis-looks. OK. Pour le premier look, on aimerait voir celui que tu porterais chaque jour si tu le pouvais. OK. J'allais sur le dos, mais je vais me changer comme si j'en avais un autre. Fait que je fais ça. J'ai failli faire tomber tout ça. Ben ça, dans le fond, c'est mon everyday outfit. En fait, c'est pas nécessairement celle-là, c'est juste n'importe quel t-shirt, hoodie,
paire de jogging à mon chum, deux bas pas pareil, des sandales, des souliers, whatever what, c'est tout le temps ça. Le monde, quand ils me voient en vrai, sont tout le temps bien déçus parce qu'ils s'attendent à ce que je sois full fashion pis tout. J'aime vraiment le linge fashion, mais je suis extrêmement paresseuse aussi. Puis je m'habille jamais. Le comme, confort d'abord. Mais... Moi, mettons, si je suis préparée, je suis de même, mais maquillée. Fait que ça, c'est moi, genre, préparée. Fait que je dirais que ça, c'est genre mon everyday, là. Juste, tu me croises au centre d'achat, 99,9% de chance que je sois habillée de même. Défi numéro un réussi. OK, parfait. Pour le deuxième, on va voir ton look de prédilection en voyage. En voyage? OK. Fait que je vais prendre ça ici. Fait que dans le fond, ça c'est mon outfit, j'ai comme, je voulais pas mettre mon maillot en dessous parce que je vais pas commencer à me déshabiller ici, mais mon outfit en voyage, moi je suis tout le temps, tu sais, même si on s'en va pas à la plage, je suis tout le temps prête à faire une photo pour Waka. Mm-hmm. Fait que je mets tout le temps un t-shirt qui est tout le temps le même parce que genre je le trouve nice aussi pour faire une photo. Ouais. Puis j'ai mon maillot en dessous, je suis prête là, genre il y a un spot photo, il y a un arc-en-ciel qui dure 2 secondes, moi j'enlève mon t-shirt, je suis là. Toujours prête. Non, c'est ça, puis je mets pas de souliers jamais, j'ai vraiment les pieds les plus dociles de toute la planète Terre là, et wow. J'ai pas les pieds sensibles pour une scène. Ça, c'est vraiment une qualité que j'apprécie de moi-même, si je pourrais nommer quelque chose. Mais j'ai jamais mal aux pieds, je peux piler dans le garnet pis tout. Fait que ça, c'est vraiment mon outfit. Puis en plus, c'est mon maillot. J'ai choisi celui-là parce que c'est mon maillot de ma collab avec Pony. Fait que je me fais une petite publicité en même temps. Yes! Buy my merch! C'est comme les YouTubers américains, genre. Fait que c'est ça. Yeah. Défi numéro 2 réussi. Yeah. Pour le troisième et non le moindre, on va voir ton kit mou Netflix. OK, parfait. Ça va être ça. Mes souliers, mes beaux souliers. Fait que dans le fond, ça, c'est mon outfit de Netflix. C'est très simple, c'est les mêmes jogging que je porte pour sortir parce que moi, je me change pas d'envie. Moi, je suis vraiment comme style, je m'habille pareil pendant 5-6 jours. Après ça, je vais enlever ce outfit-là, je vais le mettre dans mon panier à linge châle, je vais me changer. Puis tu sais, pour toute activité, que ce soit Netflix, aller à l'épicerie, whatever, je sors de chez nous, je vais au centre d'achat. Un moment donné, tu sais, là, j'en porte un autre 5 jours, puis après ça, je reviens à celui-là, mais je l'ai pas lavé. Bon, on dirait que dans ma tête, vu que je l'ai mis de côté genre 2 semaines, il est propre. Fait qu'après ça, je le remets un autre 5 jours, puis juste attends qu'il pue vraiment. Mais, tu sais, j'ai vraiment tout le temps le même linge. Fait que si on te croise à l'épicerie, c'est ton c'est guess. Sûr que c'est ça. C'est ça. C'est sûr. Défi numéro 3 réussi. Yeah! Finalement, Elisabeth, si tu avais la chance d'être débarrassée d'un item sur le champ, ce serait quoi? Sur le champ, dans le fond, on fait plein de blagues sur moi sur Instagram par rapport à mes ex. Fait que moi aussi, je vais faire une blague. Puis, je vais sortir un... Tu sais, on a tout un vieux chandail de notre ex qui traîne à quelque part. Peut-être que je suis juste la seule, mais tu sais, c'est bien confortable. Fait que c'est pas significatif, je le porte encore, mais tu sais, c'était un de mes ex du secondaire, là. C'est oublié. Ça fait longtemps, c'est fini, c'est dans le passé. Fait que je dirais que ce serait ça. Si c'est jamais. Fini. C'est terminé. Hey, merci encore de nous avoir reçu, Elisabeth. Ben merci beaucoup. Et voilà.